Huitième jour de grève, cette action a débuté le lundi 8 mai dernier. Les grévistes du Super Cash Back Goal sont de plus en plus faibles. Lundi 15 mai, Jean-Éric, un des grévistes, n'a pu tenir plus longtemps. Il a dû d'ailleurs être hospitalisé. Tant Salim Mouti, porte-parole, et les grévistes ont eu un rendez-vous avec le Premier ministre Pravin Jugnauth au bâtiment du Trésor à Port-Louis. Deux heures, 15 minutes de négociation, le PM a demandé un peu de temps pour trouver une solution à ce problème, quand le gouvernement est en train d'étudier toutes les possibilités afin de régler ce problème. Salim Mouti, pour sa part, campe sur son position. Il maintient qu'il est ouvert au dialogue et n'a pas fermé la porte. Mais entre-temps, les grèves se poursuivent. Les rencontres, il est assez long. On nous donne l'occasion pour que tout ce monde qui est avec moi, qui est tout le monde gréviste, explique aux autres, même un représentant en Bellevue, qui est incapable d'exprimer. Et au fait, le Premier ministre, il est à l'écoute. Et le Premier ministre, quand il causait, c'est qui. Il presque répète la même affaire qu'il s'est causé. Enfin. Et il dit que pour l'instant, il peut prendre une décision bientôt et il est capable de communiquer avec nous. Pour passer son travail en communication pour capable trouver une solution pour faire un paiement. Il dit qu'il donne une autre jusqu'à vendredi pour trouver l'argent, pas trop sourire. Donne une autre jusqu'à vendredi, je annonce nous qui décision fin prend et qui pour capable faire un paiement ou pas. Mais il nous dit faire ce travail. Fais autre ban, algeté côte poutier dans un, mais seulement pour l'instant actuellement, nous prenons la décision qui nous maintenir nous la grève de fait. Et nous dit, ben, du monde en.